tout à l'heure, dans 4 heures a priori. D'accord. Donc là, en effet, c'est établi, 15 nœuds. Super, c'est confirmé, on a le vent d'est, 15 nœuds, ciel dégagé, tout ce qu'on voulait, quoi. On estime qu'en partant de Touros, on peut faire à peu près 350 000, faisant quasiment du plein nord. Donc au bout de 24 heures, on va se retrouver à peu près 250 000 de Fortaleza, là où on veut revenir à terre à la fin du défi Lynxea. Donc là, on est encore parti pour au moins 12 à 15 heures de navigation pour rentrer à terre, après les 24 heures. Il est 13h, donc dernière ligne droite, on va dire, des préparatifs. Là, il faut qu'on gère l'alimentaire et notre sécurité. Donc on embarque des fusées parachutes, des feux à main, des feux blancs, des fumigènes, des balises de détresse, tout ce qui est barre énergétique. Puis pour la fin de parcours et la nuit, on a des plats auto-chauffants. Et là, bien se remplir le bide et refaire plein de calories pour terminer le parcours. Ça, quand il fait froid, c'est bon, mais alors quand il fait chaud, c'est un supplice. Là, il est 3h moins le quart, prêt, habillé, avitaillé, sécurisé. Plus de pression, plus de stress là au moment où le bateau va toucher l'eau. Ça va être terrible. Non, on est un peu tendu forcément les 3-4 les heures qui précèdent, c'est la tension, est-ce qu'on oublie un boulon, un écrou, une fusée, un truc. Donc on est concentré, on paraît un peu tendu sur le terre-plein. Et puis dès qu'on est sur l'eau, on va être comme des fous, quoi. La montre est à poste, prêt à déclencher le chrono et feu. Ça va être bon, ce petit run. Putain, mais ça fait des mois qu'on attend ça. Don't leave it too late.
bien. Oui, défi relevé. On a pas réalisé encore, parce qu'on est fatigué, mais... Défi imaginé, défi réalisé, défi relevé. Alors on a établi donc la première distance de référence sur 24 heures en voile légère, qui est de 344 000, ce qui fait un peu moins de 700 km, l'équivalent d'un Paris-Marseille. En fait, curieusement, pendant 18 heures, on a été très très vite, même presque au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et par contre, pendant 6 heures, très lentement, parce qu'on n'a pas eu de vent au petit matin. Donc on peut vraiment imaginer effectivement qu'un équipage qui a des conditions optimum pendant toutes les 24 heures puisse atteindre, pourquoi pas, les 400 000, même si c'est ambitieux, mais c'est faisable.